Hey, yo tout le monde, c'est Fireball, on se retrouve pour une petite histoire d'amour bien sympathique. Alors voilà, à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu ou pas. Je verrai, si jamais la majorité dit que ça vous a plu, je continuerai. Si jamais la majorité dit que ça vous a pas plu, je ne continuerai pas. Bref, alors, salut, bienvenue dans In His Love Calling. Pour continuer, tape sur un texte. Te voici l'héroïne de ton histoire d'amour virtuel. Tes choix influenceront le scénario et le déroulement de l'histoire. Tu peux débloquer des scènes dans lesquelles se trouvent de belles images cadeaux. Pour savoir à quel chapitre se trouvent les images, utilise le menu en haut à droite pour appuyer album. Là, je vois album. Puis album. Pourquoi cette merde là? Puis album. Si tu rates des images, tu peux rejouer le chapitre en utilisant le menu en haut à droite, puis chapitre. Donc le même menu. À toi de découvrir quels sont les bons choix pour débloquer les scènes spéciales. Les scènes secrètes et leurs images. Dernière chose, avancer dans l'histoire consomme des points d'énergie. Chaque jour, tes 300 points d'énergie sont rechargés gratuitement. Tu peux aussi y gagner quotidiennement jusqu'à 100 points d'énergie en plus grâce au mini-jeu depuis le menu. Lorsque tu ne peux plus avancer pour la journée et que tu n'as pas envie d'attendre le lendemain, tu peux te procurer de l'énergie bonus via le menu énergie. Via le menu énergie. Comme tu es nouvelle, je t'offre dès maintenant de l'énergie bonus. Obtiens-la gratuitement au menu énergie. On va voir ça. Donc dans le menu énergie. Voilà, tu sais tout pour commencer ton aventure. As-tu des questions? J'ai tout compris, je peux commencer à jouer. Super, juste une dernière chose. Tu dois m'indiquer comment tu souhaites t'appeler dans l'histoire. Fire. Je suppose que j'aurai un nom de famille, enfin, je sais pas. Puis au pire, c'est pas grave, Fire. Es-tu sûr de vouloir t'appeler Fire? Ce sera ton nom pour toute l'histoire. Yes, je m'appelle Fire. Quel est ton nom de famille? Ah, super. Bah, Ball, du coup. Boom. Validé. Es-tu sûr de nom de nom? Bref. Oui. Alors, bienvenue à toi, Fireball. Bonne aventure. Mais non, merci. Chapitre 1. La salle de concert est encore vide. Seules quelques personnes traînent près du bar de l'autre côté. On dirait que le temps est suspendu dans l'antre que l'ambiance s'embrase et fasse vibrer le corps. C'est grinçant de monter sur scène. J'aurais trop le trac. J'aimerais me montrer gagné par l'enthousiasme de la foule envahie par un sentiment. Mais pour l'instant, je suis seule et je commence à trouver le temps long. Je pousse un soupir et
impatient, jura la brute. Mais qu'est-ce qu'il fige, pensant. Matt est en retard, comme d'habitude. Je bosse depuis des mois à cœur et corps et je ne l'ai jamais vu arriver à l'heure une seule fois. Malgré ce défaut, avec lui, nous nous sommes attendus immédiatement, comme avec Lisa, qui travaille à l'accueil. Moi, c'est un type sympa. Si on fait abstraction de son masque de ponctualité, Lisa le trouve mignon. Il ne manque pas de charme. Il ne m'attire pas vraiment. Il ne manque pas de charme. Nous entretenons de bons rapports, ce qui est préférable, étant donné qu'il occupe le box voisin du mien dans l'immense open space du quartier corps. Je commence à trop le connaître pour ressentir quoi que ce soit qui s'apporte à un sentiment amoureux. La promiscuité m'a ôté toute idée romantique. Beaucoup trop charmeur, beaucoup trop sexy. Un piège à filles. Bien sûr, tout un peu. Mais c'est grâce à Matt que j'ai obtenu un billet pour le concert de ce groupe. Les Nictarem me sont totalement inconnus, mais d'après Matt, je commence à monter et attire de plus en plus de monde. Ils sont connus sur les bancs du lycée et Matt les a vus évoluer depuis les vieux garages jusqu'aux petits salles. Quand Matt m'a proposé de l'accompagner à cette soirée, j'ai immédiatement accepté son invitation. Cela fait longtemps que je ne suis pas. Ah, que je ne suis pas sortie de mon appartement. Je commence à tourner en rond. Désolée pour eux. Depuis mon arrivée à New York, ma vie sociale a été quasi inexistante. Il était temps que je bouge. En attendant, je pourrais. Si Matt n'arrive pas dans les 5 prochaines minutes, je ne vais peut-être pas les triper et juste réserver ses lacets de chaussures autour de sa gorge. Le concert va commencer et il n'est toujours pas là. C'est lui qui m'a dit de venir en avance, mais qu'est-ce qu'il fabrique? J'appelais pour lui passer en sa patienté. Ah! Soupir! Ce mec est un calamité. Cette manie fait probablement partie de son charme. Si on craque pour lui, mais ce n'est pas mon cas. Chapitre 2. Non, ce serait trop beau. Hey, salut beauté! C'est Matt. Je me retrouve vivement et découvre Matt en train de trottiner jusqu'à moi comme à son habitude. Il affiche un air décontracté. Ses cheveux bruns en bataille encadrent son visage au trait viril comme à l'accoutumée. Son regard est un brin espiègle, un brin moqueur. Un petit sourire tire le coin de ses lèvres lorsqu'il me détaille de la tête aux pieds. Faussement appréciateur. Les mains dans les poches de son jean, il me lance un clin d'œil, puis tourne la tête vers l'inconnu qui l'accompagne. Wow. Répond à son sourire. Je secoue la tête encore une fois. Je réponds à son sourire. Je ne parviens jamais à lui en vouloir longtemps.
Matt fait partie de ces personnes charmantes qui vous embobinent d'un simple battement de cils. Je te présente Adam, mon pote, et aussi le batteur du groupe. Adam, salut. Il me tend la main, affichant également un immense sourire brillant. Enchanté, je suppose que tu es la raison du retard de Matt. Pas du tout. Je dénie toute responsabilité quant à son absence totale de ponctualité. Matt détourne les yeux et fait mine de siffler innocemment. Je lui donne une tape sur l'épaule. Je tire sur le col de sa veste. C'est pas sympa ça, je lui donne une tape sur l'épaule. Tu pourrais avoir la politesse de t'excuser. Ou alors, tu aurais pu te servir d'un truc formidable issu de notre monde moderne qui s'appelle le téléphone. J'agite le mien sous son nez avant de le remplacer dans ma poche arrière. Pris en faute, Matt s'excuse d'un mou adorable et dégage une mèche de cheveux bruns de son front. La sexy. Adam pouffe de rire devant sa mine confite. Je l'ai vu sur le trottoir en pleine discussion avec une très jolie nana. Très jolie nana. Voilà une chose bien étonnante. Hey, c'est elle qui ne me lâche pas. Je me contentais d'être poli, je suis un mec sérieux. Tu es princièrement harcelé par les filles qui viennent à nos concerts. Nous chantons et c'est toi qui récoltes les fruits de notre gloire. La gloire? Mais quelle gloire, mon pote? C'est pas encore un Rolling Stone. Je sais pas ce que ça veut dire. Il lui dédie une grimace amusante. Un jour, ça viendra et tu regretteras amèrement ces paroles. Le petit face à face m'arrache un sourire. Ils ont l'air accoutumés. En joute verbale, mon enfant. Voilà. Bon. Ziétez discrètement. En direction d'Adam. J'observe Adam sans me cacher. Celui-ci est plutôt beau gosse. Si on aime les gens super blonds. Un jean bleu déchiré sur le genou. Oh. Un t-shirt blanc sexy et un diable. Il ne manque pas de sexe. Tape corps avec toi. La différence entre ces deux hommes est flagrante. Matt ressemble à un babybox ultra sexy, tandis que l'autre transpire le rock, la mer et le sel par tous les portes de la peau. Quand Adam se tourne vers moi, surprenant mon examen, il me décroche un sourire amusé. Il a conscience de son potentiel, mais ne semble pas tenter d'en abuser, comme je l'imaginais de la porte d'un musicien. C'est comme que je parle, en fait. De toute façon, il doit avoir l'habitude d'être relouqué sur scène. C'est difficile d'échapper au regard. J'aperçois les lignes d'un tatouage sur son bras. Irrésistiblement attiré, je ne parviens pas à détacher mes yeux de son biceps. Un ange noir se déploie
tout le long de son bras jusqu'au coude. Il est magnifique. L'examiner discrètement, s'approcher pour mieux le regarder. Papa, j'ai toujours rêvé d'inscrire sur ma peau un tatouage, le style de celui d'Adam. D'Adam. Me plaît beaucoup. Adam pivote légèrement pour m'en offrir une meilleure vue. Il te plaît? Très joli, symbolique. Ah, enfin, je parlais. Ses lèvres se fondent d'un sourire moqueur. Évidemment, pour me rappeler ce que je suis supposée trouver. Sérieusement? Un ange? Oui, une femme digne de l'être. Matt regarde ouvertement en lui tapotant l'épaule. Bon courage. Toi, je sais, tu es à la recherche de celle qui retirera sa culotte plus vite que son ombre. Il est dégueulasse. Pas du tout. Je me sens offensée par ces propos mortement injurieux. Je cherche celle qui sera heureuse de me la remettre. Nuance. Aucune femme de cette sorte n'existe en ce monde. Matt me tire la langue et grimace. Prendre le bras me coller à lui. Déposer et baisser sur la joue. Un jour, je suis sûre que tu trouveras une femme assez jolie pour t'offrir sa culotte. Un concert avec nous sur scène et ce serait chaussette. Adam lance un clin d'œil tandis que Matt pousse un grognement. J'éclate de rire. Bon, j'ai encore plein de trucs à installer avant le concert. Matt, tu me files un coup de main? Ouais, pas de problème, je te suis. Comme ça, je montrerai sur scène. J'hésite à proposer mon aide. Je peux vous aider, je n'ai rien d'autre à faire en attendant les débuts du concert. Adam me croise de la tête aux pieds. C'est pas du boulot pour les fillettes, le matos c'est lourd. La fillette pourrait te prouver qu'elle peut t'acheter d'un coup de genou bien placé tout en portant un carton de 40 kg d'une main. D'une main. Oh, dans ce cas, je veux bien voir ça dans le coup de genou, s'il te plaît. Sans le coup de genou, s'il te plaît. Je dois y aller, je dois manger. À toi. Pardon, mauvais.